Dans la lutte sempiternelle du bien contre le mal, le héros ne se résume pas à ses simples exploits personnels. Tout comme les plantes ont des racines cachées, ou les rochers dévoilent leur ventre noir et plein de surprises quand on les retourne, la grande histoire de Jack et de ses combats épiques pour sauver Abbeville recèle des secrets aussi impénétrables que dissimulés. Toutes les mères connaissent bien cette histoire, mais la plupart n'en connaît que la moitié. Aussi grand soit-il, Jack n'aurait jamais pu réussir sans son partenaire, fidèle, mais si souvent oublié, Daxter. Cela fait très longtemps que je suis un sage, et quand je dis longtemps, je veux dire très très longtemps. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que derrière chaque héros, il y a toujours une espèce d'andouille bavarde et rigolarde. Voici son histoire. Je ne peux plus continuer. C'est trop dangereux. Mais attends! Ne t'en va pas! Laissez tomber! Vous avez qu'à vous trouver un autre gogo! Laissez le rat! C'est lui que le baron veut! Affiner quoi? Ce machin orange, ou je sais pas quoi, il va m'entendre. Et j'étais là, face à face, avec 55 des plus horribles à leur cœur que vous ayez jamais vu. Tout à coup, ils viennent vers moi par la gauche. Je bouge vers la droite, on envoie un coup de poing par-ci, et un coup de pied par-là, et... Ah, attendez, revenez! J'ai pas fini! Après être tombé pour tromper leur cœur, j'ai ensuite... Oh. Tu peux parler plus fort? Mes oreilles ne sont plus ce qu'elles étaient. Raconte-nous celle où tu as réussi à assommer ces idiots de garde d'un seul coup. J'ai fait ça? Ah ouais! Ces gardes n'avaient aucune chance contre le bon vieux Crochet! Oui, ravi de te rencontrer aussi. Je suis Osmo, propriétaire et responsable des pulvérisateurs de la société d'extermination des parasites. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, jeune homme. J'ai besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a ton ingéniosité. C'est moi! Quelqu'un qui a ta force. Encore moi. Ton sens de l'adaptation. J'ai ça. Ton courage devant une mort inéluctable. Quoi? Hors de ma vie, vieillard. Tu m'as eu au début, mais là, tu pousses le bouchon. En bref, accepterais-tu de travailler pour moi? Je te récompenserai pour ça. Y'a pas moyen. J'y connais rien à l'extermination et je hais les petites bêtes. Mais... avec un petit effort... Hein? Quoi? Tu es d'accord? Merveilleux! Rendez-vous demain au magasin. Et bienvenue. Bienvenue à bord.
Les petites bébêtes ont gagné. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Attention, que tout ce qui a plus de deux pattes se mette à trembler, car le Daxterminator est dans la place. C'est ça l'esprit. Tu es prêt pour ton premier test? Donnez-moi un pulvérisateur, papy, et puis ensuite un deuxième. Je vais arroser toutes les bestioles qui croisent mon chemin. Non, non, non. Tu dois d'abord apprendre les bases. De mon temps, on chassait les insectes avec de la classe et du style. Une arme plus élégante, pour une époque plus civilisée. Bon, ta première mission. Je veux que tu ailles débarrasser l'hôtel du coin de tous ces insectes. Allez, au boulot! Rends-toi au Westside Hotel pour ton premier travail. Trouve le concierge et il te mettra au parfum. Oh, Daxter, j'ai failli oublier de te parler de l'appareil pour communiquer. C'est grâce à ça que nous resterons en contact quand tu seras en dehors du magasin. Maintenant, tu peux y aller, fiston. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'on n'a jamais assez de ces orbes des précurseurs. Une trousse de secours? Je parie que tu l'aurais jamais trouvée, celle-là. Daxter, cette gemme d'or provient de tous ces nouveaux et horribles insectes. Ramasse-en autant que tu peux. C'est comme ça que je me paye. Voici l'hôtel, Daxter. Entre et parle au concierge. Et souviens-toi, ton travail consiste à exterminer des insectes. Waouh! Vise un peu cet endroit! C'est donc vous, l'exterminateur. Monsieur Crew, notre meilleur client, va être ravi de vous voir ici. Mais je n'aime guère votre apparence. Les insectes qu'il y a là-haut ont mangé vivant le dernier exterminateur. J'aimerais vous faire monter par l'ascenseur, mais malheureusement, j'ai perdu la clé. Voulez-vous bien essayer de la trouver ? Merci. Maintenant, rapportez-moi un bon paquet de ces gemmes d'insectes en or, et je dirai à Osmo que vous vous êtes mieux débrouillé que le dernier type qu'il a envoyé.
Je savais que vous n'aviez pas l'étoffe. J'ai besoin de plus de gemmes en or que ça. J'ai bien peur d'avoir oublié de nourrir les plantes. Après tout, ça peut être utile d'être une belle outre.